C'est ignoble. Ni vu ni connu. Il sort un peu. Tiens mon fils. Regarde-toi bien. C'est très dégueulasse. Les amis, avant que la vidéo commence, je tiens à faire de la publicité comme d'habitude pour mon frérot, mon frangin, le meilleur pronostiqueur que je connaisse à l'heure d'aujourd'hui, qui est Boy Pro. Son snap s'affiche ici, il s'affiche ici, il s'affiche ici, il s'affiche ici, il s'affiche ici. Là, je m'en fous, le monteur, il est en train de serrer. On est en confinement. Et même en confinement, même si beaucoup de matchs sont annulés, sachez que Boy Pro est l'un des seuls pronostiqueurs à continuer ses paris et à essayer de vous faire gagner un maximum de pognon, même en confinement. Et vu qu'on est en confinement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc profitez-en, n'hésitez pas, son snap s'affiche partout, rajoutez-le et vous verrez par vous-même. Donc voilà les amis, aujourd'hui pour faire le prank, c'est simple, j'ai besoin d'une plante de bambou, d'une feuille de bambou et d'une barrette à cheveux. Donc on va aller voir des gens et on va leur demander s'ils sont intéressés par du bambou ou des barrettes. Sachant qu'à Marseille, le bambou, ça fait pas référence à une plante, quoique. Et une barrette, ça fait pas référence à une pince à cheveux. Parce qu'on est à Marseille et je pense que dans toute la France, c'est pareil. Bref, si vous voulez rajouter les frérots, ils sont tous avec moi, ils sont tout le temps dans toutes mes vidéos. Rajoutez-les sur Insta, il y a les Insta qui s'affichent tous en bas, il y a les Snap pour certains. N'hésitez pas à les rajouter, répondre à tout le monde, sauf lui. Non, c'est pas vrai, je réponds à tout le monde, vous savez. J'ai une toi, je l'assume. On va aller faire ça, on va aller croiser des gens dans la rue et on va voir leur réaction. J'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite conclusion. Wesh. Ouais. Salut, ça va? Ouais. Bon, cherche pas un peu de bambou. J'ai des barrettes sur moi. Des barrettes et du bambou. Et quoi, tu fais toi-même? Non, tranquille, moi c'est des trucs que j'ai pas cher, tu vois. Attention. Tu le fumes, frérot. C'est quelque chose, hein. Bon bambou, frère. Il est des bons morceaux en plus. Ouais, mais il est où? Bah, il vient de Ketama là-bas. Ouais, tu l'as vu? Ah, j'ai une grosse bûche, frère. Tu cherches combien tu me dis? 20, 30, 50? Tu veux quoi? À combien tu l'achètes? À combien tu l'as fait tester avant? Je vais tester, je peux prendre un 50. Si je te fais tester, tu prends un 50? Ouais. Tester, ouais, si tu veux, je te fais tester, frérot. Tu veux faire quoi? Barrette? Ou bambou? La barrette, c'est la bonne qualité. C'est les bonnes barrettes, tu vois, c'est pas des grosses barrettes. Bambou, c'est un bon morceau, mais bon, après, c'est la qualité qui est pas pareil. Tu veux quoi? Je préfère quoi, toi? Une barrette. Hein. Une barrette? Ouais. On est à Marseille, frérot, c'est goûté. T'as du feu et tout? Oui, j'ai des feuilles. Ouais. Ça, c'est une barrette. Elle est petite, mais je te dis qu'elle est petite. Après, c'est une bambou. Pourquoi? Frérot, moi, tu veux des barrettes? Tu me dis oui, c'est bien en plus. Si toi, tu prends des barrettes, c'est mal. Tranquille avec ta barrette, c'est long. Sérieux, quoi? Qu'est-ce que tu as acheté la barrette? Tu as sérieux, frère? Le cul. Je suis emmerdé. Le bambou? Bah, c'est une blague, tu veux le bambou? Parce que je t'ai dit, tu prends sérieux. J'ai envie de savoir que tu veux le bambou. Tu veux que je t'en parle ou quoi? Tu veux le bambou ou pas? Vas-y. Frère, tu dis, c'est un gros, c'est une méchante. Oh, comme ça, tu te pètes tes c***** avec ton bambou, quoi? Tu es sérieux, quoi? Vas-y, salut-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'en j'entends, ouais. Moi j'ai avant dessus. Pourquoi? Pas cher en plus. Soit des barrettes, soit du bambou. Le bambou, c'est un bon morceau. Ouais. Et les barrettes, c'est un peu lèche, tu vois. Attends, les barrettes sont de meilleure qualité, c'est la frappe, tu vois. Et ouais. Le bambou, voilà, tu le fumes, il fait beaucoup de fumée, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, je te prends. J'ai 50 euros là. Tu veux 50 euros? 50 euros quoi, bambou? Tu peux pas faire 2 et 2? Ouais, sûr. Tu veux une barrette et un bambou? Vas-y. Tu veux? Vas-y, c'est bon, t'inquiète. T'es les dents, frérot, ça va. Vas-y, sors. Mais tu veux pas prendre combien? Regarde, je les ai, je pars pas. Je peux les partir. Ouais. Ouais. Comment? Ça, c'est une barrette. Barrette de quoi, tu me dis? Ça, c'est le bambou. Comment tu me prends un con, là? C'est bon. Ça, c'est... Ouais, le sang. Attends. Tiens, frérot.
qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est frère. Ouais, mais je pense pas que c'est ça. Bon prix, gros, le bambou il est ouvert, la barrette, c'est une barrette de qualité. Ouais, mais tu me prends pas un con là. Je te donne du bambou à fumer, je t'ai pas dit j'ai une bande à fumer, si j'ai une bande, un bambou, une barrette. Moi je croyais que c'était pour ça, et là je prends pas un con. Ah, tu crois que pour la fumette? Mais non, c'est bon. C'est pas cher, 50 euros, c'est rien. Mais là on est à Marseille, on peut dire, on dit toujours bambou, barrette, tout. Voilà, c'est quoi, c'est une caméra cachée, c'est un truc qui ou quoi là? Ouais, c'est la caméra. Il y a une caméra, elle est là-bas. Tiens, ton morceau. Par contre, tu veux que je me rende la barrette et le tombeau. Ouais, moi, je suis déjà du fait de pas faire la messe. Ouais, c'est là, c'est ça. C'est toi qui Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça va ou quoi, tranquille? Ouais, ça va, ça va. J'ai un truc à te proposer, mais je peux pas le faire ici. Genre, tu es fumeur, tu fumes? Ouais, mais de quoi? Genre, là, j'ai vu, c'est pas dans 3 minutes. Non, mais ça vaut le coup. Comment ça vaut le coup? Tu fumes ou pas? Oui, tu fumes. Tu as une cigarette à la main, tu fumes? Oui, bah oui. Une cigarette ou un jeu? Non, c'est une cigarette. Une cigarette? Moi, j'ai du bambou. Du bambou, je les barrette sur moi. Ouais, t'inquiète, bon. Frérot, je te vends pas cher, j'aurais 5 ans, tu peux l'avoir pour 20 euros. C'est intéressant. Ok, je connais, j'habite pas dans les quartiers, c'est une bombe. C'est la bombe, c'est de la bombe, vraiment c'est de la bombe. Genre, au pire, je te fais goûter. Je te montre le bambou, tu me dis la qualité, tu vois la quantité, je te dis le prix, tu me dis. Viens, je te montre. Oh, c'est quoi, c'est un guet-apens? Non, ok. Non, viens, je te promets, viens. Il y a des gens qui vont. Non, mais il y a des gens qui vont. Il y a des gens autour, je peux faire. Non, il va pas. Tu fumes beaucoup, tu es un gros fumeur. Je suis le week-end avec les collègues, tu vois, pour te détendre, c'est tout. Et quoi, genre, si j'ai des bons morceaux pas trop chers, ça peut t'intéresser. C'est la frappe. Donc, tu le fumes, tu vois la fumée qui fait, une odeur de fou, c'est du bon bambou. Des bonnes barrettes, la santé bien. Attends frérot, j'ai le plus qu'avec. Non frérot, oh, bah, attends, j'ai pas le temps frérot. Comme tu veux frérot, mais c'est du bon. J'ai pas le temps. Frérot, fais-moi confiance, tu vois. Le bus, tu pourras le passer après. Attends, c'est bon, merci, je prends celui d'en fait. Comment tu fais? 2 minutes, hein? J'ai un autre bus qui arrive dans 2 minutes. Tu veux voir quoi, les barrettes? Oui, c'est dans ce que tu as. Tu vois pas la boue d'ambre? Oui, ce que tu veux, mais montre-moi les deux, genre. Tu as les deux sur toi. Là, j'ai le morceau dans la main. Hop. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est le bambou. Mais gros, mais putain, tu me fais rater un bus pour des actions comme ça? Ça, c'est un bambou. Attends, regarde la barrette. Attends, fais voir. Oh, tiens, gamin, j'ai un gamin. Mais t'es qui? Mais t'es qui? C'est des idées, gros. Fais que ça, en fait. Au moins, je fais, je prends le bus, je fais bien. En gros, je rejoins des gens, je demandais, j'ai des heures à prendre. Demandez si tu fumais le bambou. Tu m'as dit oui. Je te donne du bambou. Tu veux des barrettes. Et tu me dis oui pour tout, mais bon, moi, je te mange pas. Tu fais quoi? T'es qui? Genre, mais t'as que ça, frère, c'est ta vie, gros. Ouais, c'est bizarre comme ça, gros. Ah, frérot. Viens, je te dépose. Ah, je rigole, viens, je te dépose. Je garde rien à cacher, frère. Viens, je te dépose en voiture. Ça va, je te dérange pas. Tu peux m'asseoir là? Tu es une fumeur, par contre? Tu fumes? Le bambou? Ouais? Il y a des morceaux, si tu veux, ça ne correspond pas, mais si tu veux des morceaux là maintenant. J'ai des barrettes sur moi. Quoi, tu t'y intéressé? Ça t'intéresse? Quand t'as des sous sur toi et tout? Non, mais si tu en as, je te demande, sinon je peux pas te courir, on va pas perdre du temps, frère. Je suis là, toi, tu viens là, tu veux perdre encore, tu me dis perdre du temps ou. Mais si t'as de l'argent, si tu veux acheter, je te vends. Oui, j'en ai. Ah voilà, c'est bon, tu veux combien? Frérot, on a de la bonne marchandise. Tu le fumes, machin, tu restes perché pendant 5 ans. Non, mais voilà. C'est bon produit, il manque à voir ça. Tu veux voir quoi? Le morceau. Je te montre le bambou les bouts des barrettes. J'ai tout sur moi là, dis-moi. Vas-y, on voit. Monte les barrettes, vas-y. Tiens, mais combien? Une ou deux? Allez, on teste déjà, on verra si c'est bon. Tiens. Écoute, frérot, ça reste entre nous. Tiens. Frère, tu me fais du métal ou quoi? Proche. C'est une machine? Tu m'as dit, je veux des barrettes. Hein frère, mais oh, tu me parles de quoi? Tu es vendeur électronique ou quoi? Mais frérot, tu m'as dit je veux des barrettes. Attends, t'es sérieux, tu. Donc là, tu veux me casser les couilles pour. Tu me dis je veux des barrettes. Pour de passage, frère. Frérot, c'est une barrette. Vas-y, garde ton truc, frère. Attends, alors, t'sais quoi? Vas-y, on va faire simple. Regarde, on fait simple. Ouais. Déjà. Le bambou?
Le bambou, le véritable bambou. Ouais. Le bambou que tu fumes, frère, il... Si tu fumes ce bambou, tu fumes pendant 5 ans. Bon, vas-y, montre. Bon. Sûr ah, montre. Le même truc pour, que pour la barrette. Montre. Tu m'as dit que je fume une barrette, je te sors. Ça prend pas pour rien, montre. Parce que là, des... Vas-y, montre. Tourne-toi, parce que je l'ai caché dans mes couilles. Et ça, tu commences les conneries, là. Vas-y. Tiens, frérot. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Vas-y, prends la main avec ton truc. Gros, tu me dis... Bambou. Tu me dis, je veux du bambou. Vas-y, prends la main. C'est quoi ton bambou de main? Tu me sens dans les couilles. Prends la main, frère. Je te fais un prix, bébé. Écoute-toi, va voir tout ça au primaire là-bas, qu'est-ce que tu veux me faire avec ça toi? Vas-y, va là-bas. Frérot, t'es sûr? Ouais, c'est dans le prix, c'est que gros, je te le vends. Bon les amis, là, on a vu une patrouille de police, ils sont deux, il y a deux mecs. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller leur demander si justement ils veulent du bambou ou des barrettes, hein, sans faire allusion à la fumette parce que ça peut aller loin. S'il y a quoi que ce soit les gars, vous ne venez pas. Parce que la police, ça rigole pas. Okay, tu vois, non, laissez-moi me faire choper tout seul. D'accord? C'est mieux. Donc, ouais, non, oui, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tout simplement, s'il y a un problème avec la police, au moins, je serai le seul à être emmerdé. Voilà, et à avoir des problèmes. S'il y a quoi que ce soit, même si vous voyez qu'il y a. Rien, laissez-moi dans la merde. Voilà. Voilà, vous voyez, ça, c'est des véritables amis, les gars. Ça, c'est une bonne équipe, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai un petit truc à vous demander si jamais vous êtes intéressé. Est-ce que ça vous intéresse du bambou? Du quoi? Du bambou. Du bambou? Ouais. Vous êtes pas intéressé vous? Pas du tout. Non? Je veux vendre du bambou à un policier. Oui. Mais j'ai besoin d'argent, il vaut mieux ça qu'aller voler. Je préfère essayer de vendre du bambou à des gens qu'à aller voler du bambou. Mais attendez, dites-moi si vous êtes intéressé, je m'en vais. Oui, on va être intéressé. Venez, on va faire une pas de papier sur moi, Jerry. Venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît, asseyez-vous là-bas. Je sais pas, j'ai rien fait de mal. Pourquoi vous... Du bambou à un policier. Regardez. Tu te fous de nous? Ben je vous ai demandé si vous voulez du bambou. C'est du bambou ça? Vous avez les cheveux longs, ça vous irait bien les barrettes? On est en pleine patrouille, on est en service. Vous le voulez ou pas? Tu viens, vous le voulez ou je le... bambou. Moi qui pensais que c'était du cannabis. D'accord? Et là tu nous déranges pour ça. Sinon la barrette. Allez viens, on va t'emmener au poste. Tu nous as fait perdre du temps. On va te servir un café. On va te proposer même du bambou même au commissariat. Allez, venez monsieur. Allez. Venez monsieur. S'il vous plaît. Venez monsieur. Non. Non! Je vais pas au commissariat pour ça, moi. Là, regardez. Là, je vais faire un plongeon, je vais taper la tête direct. Je vais pas aller au commissariat, je préfère mourir. Je descendrai pas. Si vous appelez le collègue, je saute. Si vous appelez le collègue, je saute. Moi, je voulais juste vendre du bambou. Partez. Partez, sinon je saute. Je saute, j'en ai rien à foutre, regarde. Non, ça va. Je saute, regarde. Arrêtez. Écartez-vous, partez. Faut que je redescende. Faut que je redescende et que je cabale, parce qu'ils vont venir vers moi. Partez, je redescends pas. C'était une blague, vous le mettez au commissariat pour une blague, la fois. Mais c'était une blague! Vous me croyez pas? Ah, vous me croyez pas? Regarde! Ouais, ils sont partis là! T'es sûr? Ah, attends! Ça fait un quart d'heure, je suis là! Frérot, c'était n'importe quoi! Mais ils sont vraiment partis, ça y est! Ouais, c'est vrai, c'est plus là! Allez, c'est bon, frérot, de toute façon. Vas-y, on se taille, hein, gros! Vas-y, on se taille! Ouais. J'espère que. Vas-y, je vais montrer les images, gros, parce que. Des trucs de flics. Arrête, il y avait des flics là-bas. Ouais. J'aurais proposé du bambou. Et genre, quand j'aurais proposé du bambou, ils ont voulu m'arrêter, m'emmener au poste et tout parce qu'ils n'ont pas aimé. Attends, frérot, c'est eux, non? Ouais, c'est eux. Non,
Ouais. Cavalier, Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Sachez avant toute chose qu'elle a été tournée avant toute cette merde de confinement, tout ça. Donc ne commencez pas à dire dans les commentaires « Ouais, il est allé faire sa vidéo alors qu'on n'a pas le droit de sortir. » Non, elle a tourné il y a presque un mois en arrière, frérot, donc reste tranquille. Ne reproduisez surtout pas ça en dehors, ne faites pas comme nous. N'oubliez pas que si vous voulez porter notre marque de vêtements, elle est disponible sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tout le monde et malgré le confinement, on continue à envoyer les colis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous. Surtout, ne sortez pas de chez vous. Faites attention à vous. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine à 18h, comme d'habitude, pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous à tous et à la semaine prochaine. Ciao !